Et nous revoilà donc pour la deuxième session de jeu de ce soir. Allez, donc entre-temps, pendant que ça lag un petit peu, c'est normal, je me suis permis d'acheter une hache qui est sur ma hanche. Et merci pour ton follow Europecar85, bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas parmi nous. Et donc, du coup, merci pour ton follow. Et je disais, oui, ça m'a perturbé, donc j'ai acheté une hache, changé de couleur. Et acheter une arbalète. Voilà. Touchez ce tapis, appréciez sa qualité. Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse. Je ne suis pas marié. Ah, oh, quel homme chanceux. Venez le toucher. Les affaires ont été bonnes. Je n'ai rien vendu. Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés. Vous connaissez Tarek Barletti, leur capitaine? Oui, il doit être dans les environs. Un homme arrogant, mais... Oh, quelle injure, monsieur! Je ne le vends pas à moins de 200 akshay. C'est ça ou rien? Quand je le verrai, je lui demanderai pour les tapis. Vous êtes dur en affaires, étranger. Entendons-nous pour... 180? 180 akshay, et nous nous quittons, bons amis. Adieu et Suleiman soupçonne le capitaine des janissaires Tarek Barletti d'avoir des liens avec les Templiers. Trouvez-le, suivez-le pour en apprendre davantage. Créez une diversion auprès des deux gardes avec des bombes. Je crois que j'ai pas de bombes, donc à partir de là... Est-ce que j'ai des bombes? J'en ai quelques-unes. Bombe vacarme, bombe... ouais. Ah bah, si vous prenez l'élément bombe vacarme, votre bombe de diversion sera démontée et les composants seront intégrés à votre inventaire, voulez-vous? Ouais. Bzzz. Il est passé par là. Allez Dio, cherche, cherche. Trouve le méchant, trouve. Voilà. Chaque jour, je prie pour que Selim me retrouve. Je suis invisible, je suis caché derrière là, derrière un poteau. Ninja. Ninja. Bien sûr, il y a tellement... Alors par contre, j'aimerais bien qu'ils me remettent, voilà, les bombes. Le groupe qui est parfait, qui est passé au moment parfait. On a eu un assassin qui est passé vétéran. J'aimerais rester dans ce groupe, apparemment il est bien parti. Non, évidemment il part du mauvais côté. Il y a tellement peu de pèlerins qui savent lire. Chut, je suis pas là. Partir pour Venise. De toutes les créations de Mehmet, je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Dégagez le passage. Ma planque. Ah non, 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 non. Fuck. Eh ouais, mais il a bougé les mecs qui étaient à côté, et forcément que je suis repéré du coup. Aïe, aïe, aïe. Forcément. Du coup, est-ce que eux vont rester là, vous pensez? J'ai des crampes aux mains et du miel plein les doigts. Ouais, il faut dire que le travail ne manque pas. Toutes les créations de Mehmet. On peut le passer, ça? On peut pas le passer. Commence à croire que ce bazar... Dieu, le chien de Link, exactement.
preuve que le quartier est en... Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Dégagez le passage. Pour quelle raison? Toute la ville s'arrache des peintures, on dirait. Les affaires marchent bien depuis que les gardes byzantins ont déserté le quartier. Allons, assez traîné. J'ai vu la pièce attendre devant la boutique vendredi dernier. Et j'ai remarqué que tu étais en rupture de stock depuis 3 jours. C'est là mon allée. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Ça va, il est pas chiant le mec. Athènes est passée sous le contrôle des assassins. Mais maintenant que le quartier est à l'eau. Ah, parfait ce groupe là. J'espère qu'ils partiront à droite. En ce moment, mon bien-aimé négocie avec le trésorier de la garde. C'est une réunion importante. Veille à ce que je ne sois pas suivi. Trop tard. Bien sûr, il y a tellement peu de pèlerins. Nous avons des questions à vous poser. Non. Je le connais. Non, tu me connais pas, tu m'as pas vu. Que tu deviens? Je n'ai pas vu tes enfants depuis des semaines. Je suis tellement occupé. J'allais lui en acheter 2 à la fois. Non. Ah, c'est pas le moment, mec. Oh putain, sérieux. Ah, toi tu meurs pour la peine. Même pas. Il y avait une chance sur combien pour que le mec vienne m'attaquer à ce moment-là. Eh, hey, du coup, ils m'ont mis juste derrière les gardes. Toi. L'Empire est malade. Nope, je suis caché. Chasse près du bas en cas où. Il va passer derrière les gardes là, j'imagine. Non, tu me vois plus. Ah ok, il va passer voilà. Là-bas. Je reviendrai demain. Et si tu ne t'es pas débarrassé de ces immondices fabriqués à l'étranger, je les confisquerai et je les jetterai dans le Bosphore. Dégagez le passage. Ok, le mec pas chiant quoi déjà. Ça c'est de l'imprévu, le mec qui sort de nulle part et qui veut te tuer. Ah bah. Alors là, je suis sans voix. J'ai envie de dire je suis habitué moi. Plus janissaire.
Le genre de truc qui est censé arriver une fois sur 10 dans le jeu, ben moi ça m'arrive 9 fois sur 10. Ah ouais, mais non, là il y a lui là, attendez. Hop là. Pierre, je vais garder l'arbalète, je pense qu'elle pourrait m'être utile ici. Passage. Si je peux récupérer un carreau d'arbalète. Non. C'est bon, tu le vois là. Voilà. J'essaie de gruger la caméra pour qu'elle le voit à travers le truc, mais il a fait que je descende quand même. Ce qui est très discret. Bon là par contre, il me voit pas. Ah bah quand même. Qu'as-tu appris? Manuel accepte de te rencontrer, Tarik. Il t'attend près de la porte de l'arsenal. Ce vieux sournois est impatient. Viens. Là, il va y avoir les pieds de... Ah non, même pas. J'aurais bien vu les pieds d'Adzio, genre... Ah, je vous ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on aura même pas utilisé les bombes, donc... Fuck it. Que fais-tu là? Descends! Il est plutôt bizarre, celui-là. Ah. Ah d'accord. Ok, ok, si tu veux. Il serait temps d'apprendre ce que c'est que le respect. Bon, enfin, ma petite dame, vous savez bien que le respect est mort depuis longtemps. Là, d'un coup, sans s'y attendre, dans le bazar, tu tombes sur Rodrigo Borgia, en train de faire ses courses. what? J'ai pas appuyé. Ah, on a un assassin qui est passé niveau 10. Parce que j'ai vu qu'il nous marquait, vous pouvez assigner un assassin, un repère et tout ça. Là. Non. Y'a. Devrait y avoir une loi pour interdire ce genre de choses. En quoi ça te dérange, mec? Explique. Tu peux recompter si tu veux, Tarik. Mais l'argent restera avec moi tant que je n'aurai pas vu la cargaison et évalué sa qualité. Entendu. Tu es un homme avisé, Manuel. Sans cynisme, la confiance est dérisoire. Le compte est bon, Tarik. Tout est là. Et maintenant, tu pourras accéder à l'arsenal. Quand tu l'auras vérifié, la cargaison te sera livrée là où tu le souhaites. Tes hommes sont prêts à voyager. Absolument. Polycala, je te fournirai une carte qui te guidera bon port. Bon, du coup, on va les prendre en filature. Ah non? Sommes-nous ici pour la même raison? Ah, peut-être. Un de mes hommes aurait vu une cargaison d'armes entrer dans l'arsenal. Cela m'a intrigué. Des armes? J'aimerais les voir de mes propres yeux. À moins de tuer tout le monde... Je ne vois pas comment entrer. Ça me paraît être un bon plan. Nous t'avons prévenu deux fois. Aucun marchand aux abords de l'arsenal. Débarrassez-moi de ça. Hypocrite! Si vos hommes n'achetaient pas mes fruits, je les vendrai ailleurs! Vous êtes pire que les Byzantins, sale traître! Ah oh. Surveille ta langue, vermine. Même en temps de paix, les pauvres, eux, sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ça pourrait servir notre cause. C'est quoi ton idée, Adzio? Tarik a envoyé un homme appelé Manuel à l'arsenal créer une émeute pour distraire les gardes et entrer dans le bâtiment. Assurez-vous qu'au moins 40 émeutiers survivent.
Ah oui, c'est pas de la petite émeute là pour le coup, au moins 40. Feindre la solidarité pour servir nos intérêts. Le pacha des gardes de la ville demande à tous les citoyens. Je n'en suis pas fier, de signaler mais ça marchera. L'activité des insurgés byzantins. Il rappelle que votre aide. Citoyens de Constantinople, ah, je peux pas. Les janissaires sont des hommes corrompus. Ah, je peux pas. Ils ont vendu leur âme au diable. Je peux pas récupérer mon argent. Il sera affiché dans toute. Braves citoyens d'Istanbul, les janissaires. On va pas passer par là. Il a fui le père, on pourra lui résister. Cela ne vous concerne pas. De gestion et de coordination. Ces biens sont maintenant la propriété du sultan Bayezid. Vous tous, citoyens de l'Empire. Ah ouais, il y a du monde d'un coup là. Vous n'avez rien fait. Vous avez déjà été. Cette porte ne résistera pas longtemps. Le peuple te rend un grand service, Ezio. Assure-toi que personne ne soit blessé. Personne, je peux pas trop le garantir, mais bon. Oh. Oh, comment j'ai des assassins qui se sont fait tuer pendant leur mission ? J'ai des assassins qui se sont fait tuer. Bon, genre. Eh bien, laissez-moi sortir mon arme. Allez, viens là. Pudier! Mange ça! Mange ça! Ensuite, mange ça! Oui, très bien! Oui, très bien! Oui, voilà! Et ça! Pudier! Bon, du coup, apparemment, on a deux assassins qui sont morts en mission. C'est assez dommage. Voilà. Voilà. Oh, saleté. Meurs. 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 Ah, y'en a plus. Ah si. Meurs. Cette chaîne que je viens de faire, là. Meurs. Nullier. Bon. Ça fait mal la hache. Ah bah, j'espère bien que ça fait mal une hache. Alors, grâce à l'émeute, les portes de l'arsenal sont ouvertes à découvrir. Ce que y fait Manuel. Réaliser un assassinat à rien depuis une tyrolienne. On va tenter. Qui dit tyrolienne dit prenons de la hauteur. On y voit bien comme ça, n'empêche. Ah, ah, ouh, je suis mort.
c'est pas passé loin. Il est fait, ce sale rat. Dulier. Le dégât. Bon, si vous voyez une tyrolienne, vous me le dites. Ouais, alors je veux juste essayer d'aller récupérer le... Ah, non, 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 non. Hop là, je me casse, je me casse, je me... Non, non. Je me casse vite. Je m'en fous, je l'ai eu. On ira réparer le morceau d'armure. Hein. J'avais pas vu que j'avais pas ma hache activée, équipée. Hey, ma hache ? Elle est où ma hache ? Puis on reprend le couteau pour l'instant. Salut. Je sais pas pourquoi j'ai plus ma hache. Est-ce que c'est le morceau qui a cassé? Il court comme une fille. Allez, on fait pas les plus vite. En même temps, je suis pas en train de courir là, mec. Taillou. On l'aura, c'est certain. Taillou! Oh le monde! Ninja! Il a nulle part où aller, Vermine! Ninja! Bonjour. Mercenaire, il a l'air bien sûr de lui. Je peux pas l'assassiner d'ici. Ah, j'ai plus mon crochet. J'ai plus mon crochet. Mais du coup... Ah si, je l'ai. Alors pourquoi il l'a pas utilisé tout à l'heure? Wouhou! Ça passe des trucs chelous. Si ouais, non, je sais pas, pourquoi tout à l'heure j'arrivais pas à faire les sauts avec le crochet. Ou est-ce qu'il y a des cibles sous moi? Que je puisse faire l'assassinat depuis la tyrolienne. Ouais bon, il y a lui. Et tu meurs. Voilà. Allez, ciao. Comment se porte ton frère? C'est terrible de perdre un pied comme ça. Ah. Difficile. Ouhouhou. Ouhouhou. Heureusement qu'il vise aussi bien que moi. Ah putain. Il y a chien qui me troll, t'es sérieux là? Fouillez la zone. Merde, dommage. On a failli avoir ce chien. Ouais, failli alors. En fait, il me faudrait un garde isolé que je puisse récupérer une arme, en fait. Genre lui. Ouais, mais vu qu'il a pas des... Ouais. Bon, ben, on va continuer à la DAC pour l'instant.
ça m'enchante pas des masses. Cette ville a joué la comédie. Et voilà enfin qu'arrive mon heure. Lorsque les Palaiologos retrouveront leur trône, n'oublie pas qui t'aura aidé à le reprendre. Rassure-toi, mon ami. Jamais je ne trahirai un homme aussi influent que toi. Mais fais preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je suis satisfait. Conduis-moi à mon bateau. Si un seul est endommagé, il n'est pas question que je paie. Mec, il a même pas regardé ce qu'il y avait dans les boîtes. Merde. Des fusils. Oh merde. On suit. Merde. Allez, plus vite. Allez, il va s'enfuir. Cassos. On se tire. Maintenant. Quoi maintenant? Non, 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 enfin oui, enfin je me tire maintenant, oui, mais allez, oui, mais c'est bon. Allez, allez. Wouhou. Salut. Ah, attrapez-le. Je crois qu'il y en a un qui aime pas l'eau. Et on a le succès, ça se corse. Ah, et séquence terminée apparemment. Séquence 6, revers de fortune. Alors, oh, il y a un nouveau livre. Moi, j'aime les nouveaux livres. Ah bon. Est-ce là une nouvelle règle? C'est une variante européenne. Aroko. C'est intéressant. Mais il est injuste de ne pas suivre les mêmes règles que ton adversaire. Tu pourrais changer d'avis une fois sultan. Tu préfères comme cela? Suleiman, je sais qu'il n'a pas été facile de nous voir nous disputer le trône de Bayezid, ton père et moi. Grand-père t'a choisi, et sa parole est loi. Que puis-je redire à cela? Ton père et moi étions proches autrefois. Mais sa cruauté et son ambition m'ont peut-être... Oui, j'ai entendu les rumeurs, mon oncle. Bien. Il faut que je me rende à une réunion des vizirs. Nous continuerons une prochaine fois? Quand tu le voudras. Ezio. Tariq vend des armes à un riche notable, Manuel Palaiologos. Palaiologos, un nom si funeste. Le dernier empereur s'appelait Constantinos Palaiologos. Si ses descendants arment une milice, ce conflit va dégénérer. Tariq connaît la destination de ses fusils. Si je le retrouve, je n'aurai qu'à suivre les armes jusqu'aux Byzantins. Il est avec ses janissaires dans leur caserne. Si tu veux réussir à y entrer, tu devras te faire passer pour l'un d'eux. Rien de plus simple. Ouais, ce que j'allais dire. Bien. Soutire-lui l'information. Puis élimine-le. En es-tu sûr? N'as-tu pas dit que Tariq et ton père étaient amis, Suleiman? En effet, mais une trahison si flagrante envers mon grand-père mérite la mort.
Intesi. Ah ouais, quand même. Rigole pas, Suleiman. Ok. Par contre... pas de suite, en fait. On va refuser, mais on va pas le faire de suite. Tu peux tuer des gardes plus loin du bord quand tu es accroché depuis... Tu appuies sur la touche pour courir et tu pourras l'assassiner. Ça marche pareil dans l'état de foin. Tu appuies sur la touche pour de course et tu pourras assassiner tes ennemis loin du bord. D'accord, bah je savais pas et je te remercie, Vincent. Et salut, Mialomix, comment vas-tu? D'accord, j'avais pas du tout vu que la quête était là en fait, quand j'avançais par là. Bon, ce que je veux faire, c'est retourner dans un dans une armurerie, pardon. Pour voir ce qui s'est passé avec ma hache. Et pour réparer l'armure aussi au passage, ce serait pas plus mal. Ah, 16 000 dans le coffre. Cette semaine, tous mes... Alors, réparer. Hop. Ma hache. Ah, des nouveaux morceaux d'armure, c'est ça que je voulais voir aussi. Ouh, sympa, j'adore, je veux. Coûte combien? 5000. 6000, je prends. Du coup, par contre, est-ce qu'il y a de nouvelles armes, du coup, vu que c'est une nouvelle... Ça, je m'en fous. Ah, celle-là est sympa, mais on n'a pas assez d'argent. Ok, le couteau Bayezid. Qui est sympa, mais qui perd en vitesse. Je peux pas l'acheter. Envoyez-nous vos... Ok, ça c'est fait. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah pour le coup, je vais aller faire un petit retrait à la banque. Et ensuite, eh bien ça va être l'heure de la petite pause. Tac. On retire. Voilà. J'espère que c'est le début d'une longue relation commerciale, mon ami. Ça dépendra de tes prix. Et du coup, eh bien, on se retrouve après 5 minutes de petite pause pour la session suivante.